Bonsoir, bienvenue à cette présentation du transport à cordes. Alors, aujourd'hui encore, dans ce webinaire, nous verrons quelques points essentiels pour que vous puissiez comprendre, pour que nous puissions ensemble comprendre l'importance de ce transport à cordes pour le monde entier, parce que nous sommes en train de développer un système de transport innovant, sûr et surtout respectueux de l'environnement. Alors, dans ce webinaire, nous verrons tout d'abord le transport à cordes et ses avantages. Puis, nous parlerons des facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous parlerons des problèmes, risques et sécurité du système de transport, des systèmes de transport actuels. Nous verrons les possibilités, les perspectives de ce système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Et je vous montrerai donc comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Nous verrons par la suite les avantages et perspectives, les bénéfices que vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Et nous terminerons bien évidemment par quelques dernières nouvelles dans la technologie. Donc, avant de commencer, je suis Donatien Gérard et je suis partenaire de Skywalk Community depuis 2018. Et aujourd'hui encore, je ne lésine pas sur les moyens pour pouvoir augmenter mes parts dans ce projet. Parce que je crois fermement que nous allons occuper plus de 50% du marché mondial du transport. En parlant de cette technologie de transport à cordes, qu'est-ce que c'est? C'est un transport qui se déplace au-dessus du sol sur des rails à cordes à haute résistance, permettant donc d'éviter les embouteillages parce que la structure de la voie est au-dessus du sol. Pas de pollution, car ce transport fonctionne à l'électricité et donc sans polluer l'atmosphère. Et il peut traverser les frontières, car il peut être construit sur n'importe quel type de terrain avec n'importe quel climat. Alors, le système de sécurité du système de transport à cordes permet d'augmenter la sécurité de près de 100 fois. Le système de commande automatique permet d'éviter tout facteur humain et tout type d'embouteillage. Ce système de transport, on l'a vu, est écologique. Le système U-Sky est alimenté par l'électricité et c'est pourquoi il réduit considérablement les échappements polluant dans l'atmosphère. Il est économique parce que les frais de construction des voies U-Sky sont jusqu'à 20 fois moins élevés que tout autre type de transport. La vitesse de déplacement peut aller jusqu'à 500 km par heure pour le transport de grande vitesse. C'est deux fois plus vite que Sapsan, qui est le train le plus rapide de Biélorussie. Jusqu'à 150 km par heure pour le transport Uber.
Les transports modernes aujourd'hui rencontrent beaucoup de problèmes, parmi lesquels voici les principaux: la destruction de la nature, le problème de pollution de l'atmosphère, les embouteillages et le taux d'accident de transport. C'est un défi pressant du secteur du transport aujourd'hui, qui est la croissance constante de la population dans les grandes villes. Plusieurs tentatives pour pouvoir résoudre ces différents problèmes suscités existent aujourd'hui, mais ces tentatives se sont toujours avérées inefficaces. Voici donc ce que la technologie des transports à cordes offre. La compagnie propose plusieurs véhicules, toutes solutions simplifiées pour le transport de passagers. Nous avons ici l'Uniwind, l'Unibike, l'Unibus. Aussi, nous avons l'Unicar, plusieurs modèles et d'autres modèles aussi d'Unibus. À côté de cela, il y a l'Unicontre pour le transport des conteneurs et l'Unitrans. Ici sont des images qui montrent les différents modèles de véhicules qu'il y a dans la technologie. Aujourd'hui, il y a près de 15 modèles de véhicules dans la technologie, y compris pour le transport des passagers et aussi le transport des marchandises. Ceci, c'est un Uniwind, qui est un véhicule électrique léger, monorail, de faible capacité. C'est une autre image de cet Uniwind qui peut prendre deux places. Ici, c'est un Unibike, véhicule de tourisme léger hors bord, monorail, avec une capacité de deux places. Sa vitesse peut aller jusqu'à 150 km par heure. À l'avenir, cela pourrait être une alternative à la voiture, au vélo et même à la moto. Nous avons affaire à un Unibus ici, qui est un véhicule électrique aussi de tourisme, destiné au transport urbain et interurbain. Il peut prendre jusqu'à 14 places et sa vitesse peut aller jusqu'à 150 km par heure. Ceci, c'est un Unibus également, une autre image. Et ici, on a un Unicar, 3 x 6 places, qui peut aller jusqu'à 150 km par heure. C'est un véhicule électrique de passagers à suspension à double rail. Il s'agit d'une voiture électrique élégante et confortable, conçue pour libérer les rues de la ville des embouteillages. Il fournit plus de trafic que les trains et les avions conventionnels massifs et coûteux. Ceci, c'est une autre vue de l'Unicar. Ici, on a affaire à un Unicar version tropicale. Il a été amélioré pour un fonctionnement dans les climats chauds et humides, élevé afin de fournir un environnement confortable pour le passager. Ceci, c'est une autre image, bien évidemment, de ce même Unicar. Et ici, nous avons une photo de leader africain dans cet Unicar qui pose fièrement. Et je dois dire que l'intérieur de cet Unicar est semblable à une première classe en avion. Ici, nous avons affaire à un Uniflash, qui est un véhicule électrique de tourisme suspendu sur roues en acier, conçu pour le trafic interurbain de passagers et de marchandises sur une distance allant jusqu'à 10 000 km. Sa capacité est de 6 places et sa vitesse peut atteindre les 500 km par heure. Le fonctionnement d'un Uniflash pendant 25 ans, imaginez-vous, permettra d'économiser environ 22 000 tonnes de carburant avec un coût de 20 millions de dollars. Ainsi, 1 000 U-Flash avec l'aérodynamique unique, les propriétaires peuvent économiser plus de 20 millions de tonnes de carburant au prix de plus de 20 milliards de dollars. C'est énorme. À la fois, plus de 70 millions de tonnes d'oxygène atmosphérique ne seraient pas brûlées. Et plus de 100 millions de tonnes de polluants ne seraient pas rejetées ainsi dans l'atmosphère. Pour le transport de marchandises, les systèmes ont été conçus pour le transport de marchandises sur des distances de 500 km. Les complexes de transport de marchandises offrent de nombreuses opportunités aux clients et peuvent fonctionner toute l'année dans diverses conditions climatiques, dans les endroits éloignés et inaccessibles, dans des endroits de haute altitude et des zones désertiques, dans la jungle et sur les plateaux
marin. Ici, c'est un unitruck spécialisé dans le transport de marchandises en vrac à une vitesse allant jusqu'à 150 km par heure avec chargement et déchargement automatique. Là, nous avons affaire à un unique compte qui est utilisé pour le transport des conteneurs maritimes de 20 à 40 pieds. La vitesse de transport maximale est de 150 km par heure. Unitrans, qui est la solution optimale pour les opérations minières dans les zones minières, les opérations de chargement et déchargement des terminaux portuaires et maritimes. Cela vous permet d'effectuer rapidement et à moindre coût le transport de volumes importants de matériaux en vrac, tels que du sable et des petits cailloux. Les ports maritimes. Les principaux avantages de l'utilisation des systèmes de transport de marchandises jusqu'à dans le port maritime sont les suivants. Il permet une livraison de marchandises en vrac liquide et encombrante à une distance de 5 à 10 km au plus de la côte. Le deuxième avantage, c'est que l'amarrage des grands navires ne nécessite pas la création de murs de quai, de dragage ou de renforcement à terre. Ensuite, il est possible de livrer des marchandises au port maritime situé à une profondeur allant jusqu'à 25 mètres. L'infrastructure portière et les systèmes de transport U-Sky forment ensemble un complexe logistique unique pour la livraison des marchandises. Ici, nous avons une maquette de la ville linéaire en union avec la nature. Les pistes U-Sky contribuent au développement de villes linéaires. Ces villes linéaires peuvent être construites dans les montagnes, dans les zones désertiques et inondées, y compris celles avec un terrain difficile, ainsi que sur le plateau marin. Lors de la construction de villes linéaires, il ne sera pas nécessaire de couper les forêts, de construire les routes ou des voies ferrées et de perturber autrement la biogéocénose dans la zone de développement. Donc, nous avons une maquette d'une ville respectueuse de l'environnement avec des complexes de transport et d'infrastructures U-Sky intégrés, utilisant des technologies brevetées de rails U-Sky et de viaducs U-Sky. La U-House est une maison verte, écologique et durable, la seule aux Émirats arabes unis entièrement construite à base de bois. Les maisons en bois sont une alternative plus écologique et économique que les maisons traditionnelles en briques et en béton. Cela dit, U-House répond à toutes les normes de sécurité incendie et l'éco-architecture du bureau suit les tendances et les normes mondiales également. Donc, comment fonctionne cette technologie? La technologie de transport à cordes fonctionne sur des rails à cordes à haute résistance. Voici sur cette image à quoi ressemble un rail à cordes en vue coupée. Et là, on voit bien la tête du rail. Et dans l'enveloppe, okay, dans le corps du rail, on se rend compte qu'il y a des petits points blancs. C'est ce qu'on appelle les cordes. Ces petits points sont des cordes, des fils d'acier qui sont à l'intérieur du rail à cordes et en dessous où il y a un béton spécial qui est un béton flexible. Les structures de rail à cordes aujourd'hui sont 5 fois plus lisses et 3 fois plus fortes que les rails conventionnels. Cette technologie peut être incluse dans les zones avec un terrain difficile et des sols faibles et de pergélisol, ainsi que les régions sujettes aux tremblements de terre et des zones inondables. Le système de transport à cordes peut être construit suivant 3 types de rails. Nous avons des rails flexibles, des rails rigides et des rails semi-rigides. Pour les rails flexibles, elles peuvent supporter des charges utiles standard jusqu'à 20 tonnes, mode à basse vitesse jusqu'à 150 km par heure et une grande portée jusqu'à 2 km et jusqu'à 5 km en cas d'utilisation de chaînes composites. Les cordes rigides sont pour le transport de grands poids et les semi-rigides pour les charges utiles améliorées jusqu'à 30 tonnes
un mot de vitesse jusqu'à 350 km par heure et dans les petites portées jusqu'à 50 mètres. Le moteur est toujours à côté de la roue. Ceci a été conçu par le docteur Anatoly Unitsky et il a reçu un brevet pour cela. Ce moteur fonctionne au gaz naturel, au méthane et à l'hydrogène et d'autres gaz respectueux de l'environnement. Voici donc les avantages de ce transport à cordes. L'aérodynamique du transport à cordes est plusieurs fois inférieure à celui d'une voiture conventionnelle. Une voiture qui roule sur le sol, l'air a de la peine à circuler. L'air a de la peine à circuler normalement. Voilà pourquoi la voiture a besoin de beaucoup d'essence pour fonctionner. Les voitures de Formule 1 ont un aérodynamisme de 0,2. Avec les engins U-Sky, l'air circule normalement au-dessus et en dessous, ce qui permet d'aller plus vite. On peut le voir ici, son coefficient de traînée est de 0,06 pour un uniflash, qui est près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle moderne. Pour cette raison donc, l'uniflash peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an, ce qui est énorme. Qui ne voudrait pas faire autant d'économies? Dites-moi. Donc, U-Sky surpasse les analogues de transport existants dans tous les paramètres technologiques. Le coût pour construire est très bas. La maintenance, très basse aussi, ainsi que la consommation énergétique. La capacité est énorme. L'Académie russe des sciences a affirmé que U-Sky est le système de transport le plus rentable. Ceci est également confirmé par l'Académie des sciences russes et signé par le directeur de l'Institut des problèmes de transport, nommé d'après Ernest Solomenko, ouvrier émérite des sciences de Russie, docteur en sciences de l'ingénieur, le professeur Believ O.V. Alors, sur ce tableau, on peut voir clairement que le système de transport à cordes est 10 fois moins cher que les solutions de transport existantes et même projetées. Ici, on voit que le système de transport à cordes est tout d'abord éco-friendly comme les autres, ce qui est une bonne chose, écologique. Safety, il est sûr et le système que U-Sky offre est plus sûr que les autres, adaptable, car il peut être conçu sur tous les types de terrain avec n'importe quel type de climat. La vitesse peut aller jusqu'à 600 km par heure quand on pousse un peu l'uniflash. Et aussi, le coût par kilomètre est jusqu'à 10 fois moins cher que tous les autres systèmes de transport. C'est énorme. Alors, l'auteur de la technologie, c'est ce monsieur à tout seigneur, tout honneur. C'est le docteur Anatoly Edouardovitch Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calculs et d'expérience pour que sa création voie le monde. Ce monsieur a été chef de deux projets de l'ONU en 1998 et en 2002, et aussi il est membre de la Fédération de cosmonautique de l'URSS, créateur des systèmes de transport spatiaux et géospatiaux, ainsi que de nombreux projets de transport et d'infrastructures basés sur les technologies de cordes. Il est fondateur du groupe de société Unitsky String Technologies et aussi concepteur général d'Unitsky String Technologies. Alors, sur cette image, on peut voir les premiers complexes de rails à cordes de la première génération qui a été construite en 2020, en 2001, autant pour moi, dans la ville d'Oziori, en région de Moscou. À cette époque, un camion ZIL 131 était utilisé comme module de test. Ces roues étaient en acier et adaptées à une structure de voie ferrée. L'inventeur du transport à cordes a présenté son livre intitulé Capacité de civilisation de la maison spatiale, appelée planète Terre. Il a parlé des technologies nécessaires pour une solution globale aux problèmes environnementaux de notre planète, ainsi que la survie et le développement progressif de toute l'humanité. L'entreprise aujourd'hui a déjà plusieurs brevets et certifications. Un certificat international confirmant la conformité du système de gestion de la qualité appliquée par la technologie U-Sky à la norme internationale ISO 9001
2015 est inscrite au registre de l'Agence de certification TÜV Thuringen, le système de gestion de la qualité pratiqué dans la société de conception de projet permet de réduire les risques financiers, d'optimiser les procédures opérationnelles, d'augmenter la capacité de production et de réduire les dépenses de production des produits développés, augmentant ainsi leur rentabilité. Puisque ces technologies développent et fabriquent des complexes de transport et d'infrastructures conformément aux exigences internationales, ce qui permet d'adapter les produits de l'entreprise à tous les marchés dans les plus brefs délais. L'activité du ST est basée sur les principes des systèmes internationaux de gestion de la qualité, de l'environnement, de la santé et de la sécurité du travail. Le transport à cordes aux Émirats arabes unis a fait l'objet d'une certification qui a confirmé que la technologie répondait aux normes de sécurité. L'inspection a touché la structure de trajet, le transport électrique, les supports d'ancrage et intermédiaires, ainsi que la station de passagers. Les travaux de certification ont eu lieu au centre UST Inc. de Sharjah. La technologie USCRA a été certifiée donc aux Émirats arabes unis. Voici ce certificat de conformité. Et aussi, il faut savoir que Uniski Technologies est inscrite au registre des sociétés de bonne foi de Biélorussie. Une autre confirmation de cela est l'inscription, une autre confirmation de cela est que Uniski Technologies est un partenaire fiable donc et consciencieux pour les activités commerciales en Biélorussie et à l'étranger. La Chambre de commerce et d'industrie de Biélorussie est une association volontaire de 2500 entreprises qui représentent tout le spectre de l'entrepreneuriat biélorusse. Uniski Technologies a obtenu aussi le statut d'organisation scientifique. La société a été accréditée par l'Académie nationale des sciences de Biélorussie et le Comité d'État pour la science et la technologie de République de Biélorussie. Voici donc ce certificat d'organisation scientifique. Aujourd'hui, l'entreprise a plus de 130 brevets dans le monde, de la Chine à l'Australie. Elle a déjà aussi fait l'objet, OK, elle a déjà été présente aussi à plusieurs grands salons d'exposition internationaux. Pendant 7 ans, la technologie a été présentée au public mondial dans le cadre de plus de 20 expositions transport international en Russie, en Allemagne, en Île-de-France, à Singapour, aux Émirats arabes unis lors du Future City Show en 2018, en Thaïlande, en Russie en 2017 lors du transport du Forum Transport de la Russie, en Biélorussie lors du Energy Expo 2017, en Australie en 2017 et aussi elle était présente à l'exposition InnoTrans 2022 à Berlin en septembre de l'année dernière. Quelques productions et résultats déjà. Aujourd'hui, Uniski Technologies, chaque année, réussit avec bravoure l'audit annuel des états financiers individuels. OK, elle a encore passé l'audit réalisé par Finexpertise Abel Audit, a été effectué conformément aux exigences de la loi de la République de Biélorussie du 12 avril 2013 sur l'audit et aux règles nationales d'audit. Uniski Technologies a passé un audit annuel des comptes conformément aux exigences de la République de Biélorussie sur les activités d'audit et de règles nationales d'audit selon la conclusion de la SARL, Finexpertise Abel Audit. Uniski Technologies Inc. a atteint l'autofinancement. Et cela pour la première fois depuis sa fondation, ce qui est une grande nouvelle pour les différents partenaires. En outre, la société a considérablement augmenté la taille de ses actifs
en 2022. Qu'est-ce que nous avons déjà pu obtenir? Voici un bâtiment de 9 étages qui est situé dans la ville de Minsk, en capitale de Biélorussie. Il est destiné à perfectionner les solutions technologiques les plus essentielles et les plus importantes de notre technologie. Il y a aussi une zone de production en Biélorussie. Le but étant de développer et de tester les plus importantes solutions technologiques et savoir-faire clés du transport à cordes. Ici, c'est une autre extension de la zone de production en Biélorussie. Et un écotechnoparc qui est le centre de mise en œuvre pratique et de démonstration des technologies innovantes du Niski String Technologies dans la version nord. Il est situé à Marina Gorka, en Biélorussie, qui couvre une superficie de plus de 36 hectares. Voici donc une autre image de cet écotechnoparc là, et on peut voir qu'il y a des étangs où on élève des poissons. À chaque fois qu'il y a des visites, des délégations, ok, il y a des poissons là qui sont pêchés et qui sont servis comme repas aux visiteurs pour leur montrer à quel point notre technologie est écologique, consciencieuse du respect de l'environnement. Ici, c'est une autre image aussi de l'éco-technoparc. Donc, notre entreprise combine en Biélorussie près de 86 bureaux, dont un bureau d'études et de technologies spécialisées avec production pilote, 36 bâtiments et structures, plus de 3 000 unités de machines et d'équipements sur près de 36 hectares de démonstration et de certification des complexes de transport sur le territoire. À côté de cela, nous avons un autre centre test à chargeage sur près de 28 hectares. Dans ce centre, il y aura 4 types de pistes et la construction a commencé depuis 2019. Voici l'équipe du Niski String Technologies qui est composée des concepteurs d'ingénieurs, des concepteurs de projets, des chercheurs hautement qualifiés possédant une excellente formation et une expérience de travail dans différents projets majeurs dans les plus grandes sociétés d'ingénierie de Biélorussie. J'aimerais que nous lisions ensemble cette phrase du CEO Hussein Al-Mahmoudi du Centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah. Il dit qu'une start-up biélorusse en partenariat avec le Centre de recherche et d'innovation technologique à Sharjah a déjà construit des pistes d'essai suspendues qui pourront transporter cargaison et passagers. Après un test réussi, le gouvernement annoncera donc la construction de ces routes dans la ville de Sharjah. Ce qui est une très, très bonne nouvelle pour nous qui sont copropriétaires de cette technologie. L'équipe du Niski String Technologies est composée de spécialistes hautement qualifiés, comme on l'a dit, avec une excellente formation, une expérience de travail avec des projets les plus grands et les plus majeurs dans le monde entier. Le centre d'essai aux Émirats Arabes Unis est situé au centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah. Ceci, c'est une photo de ce centre qui indique la piste, qui dit que la voie et montre clairement que notre centre est situé là, USKY Test and Certification Center. Ici, c'est l'équipe de Sharjah, ceux qui y travaillent. Ce sont des personnes visibles. Vous pouvez taper leur nom sur Internet et vous pouvez même les contacter. Voilà. Et vous vous rendez compte qu'ici, le coût par tonne, le coût pour 100 tonnes par kilomètre est de 1 dollar pour l'unique compte, ce qui est très, très moins cher pour le transport de marchandises. Alors, ici, vous avez des contacts du Centre de recherche et d'innovation technologique. Si vous voulez faire une visite, vous avez la possibilité de contacter ces contacts, ces numéros de téléphone, voilà, et prendre rendez-vous pour une visite. Ils vous diront si cela est possible en ce moment ou pas. Ici, ce sont les contacts pour visiter l'éco-technoparc en Biélorussie. Aujourd'hui, déjà, le projet de transport à cordes a passé la 15e étape finale.
C'était le 15 mai 2023. Et chers partenaires et investisseurs, c'est un grand pas pour notre projet. Chacun d'entre nous a apporté une contribution significative au développement du projet et aidé l'entreprise à obtenir des résultats importants dans le domaine de la technologie à cordes. L'équipe Skyworks Community félicite chaque partenaire et investisseur pour cet événement important. Vous pouvez aujourd'hui faire un investissement à cette étape. Comment le faire? Contactez tout de suite la personne qui vous a parlé de ce projet et cette personne vous aidera à vous inscrire sur la plateforme Skyworks Community pour pouvoir rejoindre le projet. Et aujourd'hui, en participant à ce projet, vous aurez droit à plusieurs perspectives d'investissement. Nous en venons. Déjà, il faut savoir que nous offrons des investissements pour tout type de budget à partir de 50 dollars. Et aussi, l'entreprise a mis sur pied un système de paiement par tempérament pratique pour tout investisseur qui peut payer ses paquets sur 5 mois. Nous avons plus de 600 personnes aujourd'hui qui sont investisseurs dans la technologie, parmi lesquels des hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs et des personnes de différentes professions. En participant donc, apportant donc votre participation à ce projet, qu'est-ce que vous gagnerez? Tout d'abord, des dividendes. De la mise en œuvre réussie des projets commerciaux dans différents pays. Des bénéfices que l'entreprise fera, 20% seront redistribués à tous les partenaires, tous les investisseurs, chacun en fonction du nombre d'actions qu'il aura dans la technologie. Donc, les dividendes. Le rachat des parts. La direction de la société peut annoncer un rachat des parts plus tard. Elle l'a déjà fait en 2018 et 2020. Les investisseurs ont eu la possibilité d'échanger leurs parts de manière plusieurs fois rentable. L'héritage. Les parts que vous avez sont votre propriété. Vous pourrez les léguer à vos enfants et petits-enfants en héritage. Enfin, une entrée en bourse. L'entreprise peut décider plus tard d'une entrée sur le marché boursier. Et à savoir que la valeur actuelle des actions est très inférieure à la valeur nominale qui est de 1 dollar. Vous pourrez donc ainsi bénéficier de la hausse de la valeur de vos actions sur le marché boursier. Donc, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, le compte et Instagram. Qu'est-ce que vous attendez? Rejoignez-nous. Ensemble, construisons le transport du futur. Merci à tous pour votre aimable attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles intéressantes sur le projet.